La France exerce depuis le 1er janvier de cette année la présidence du Conseil de l'Union européenne. Nous avons organisé ici au Sénégal et plus particulièrement à Dakar une série de rencontres avec des grands responsables sénégalais. Et donc aujourd'hui, c'est la famille européenne au grand complet. Une douzaine d'ambassadeurs de l'Union européenne ici accrédités au Sénégal qui se rend à Diamniadio au ministère de l'eau pour rencontrer le ministre de l'eau et de l'assainissement sénégalais. On souhaite parler avec lui de l'organisation du Forum mondial de l'eau qui va arriver le mois prochain et qu'il était assez logique et assez naturel, compte tenu du sujet dont on allait parler, l'eau et l'environnement, d'emprunter le TER. On est là dans le TER qui est très confortable, ça nous fait plaisir de prendre ce voyage, ça nous permet d'éviter des embouteillages, c'est très confortable, c'est très bien fait, le Sénégal, bravo. J'apprécie beaucoup la propreté et le silence, c'est un train très très moderne et très fonctionnel. J'encourage tout le monde à l'utiliser. C'est vraiment un très beau train, il est très confortable. Et puis surtout, il va avoir des effets importants pour les populations, pour les Sénégalaises et les Sénégalais.